Bonsoir. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir Pierrot, bonsoir Pascal. Donc Pierrot San Giorgio, vous êtes l'auteur de quatre livres dont le plus connu, Survivre à l'effondrement économique, a été traduit en plusieurs langues. Alors j'ai noté l'anglais, le russe, l'italien, l'arabe, j'ai cru voir du roumain, je ne suis pas certain. Le roumain, le turc et le polonais en ce moment sort. Parfait. Pascal Borel, vous avez publié Cerveau et éthique, qui a été coécrit avec le médecin Georges-Antoine Borel, votre père. Dans ce livre, vous expliquez qu'il s'agit de comprendre plutôt que de juger. Enfin, je m'appelle Jean-Pascal Schaeffer, je vous parle de la ville de Marseille en France. Je suis spécialiste des questions énergétiques et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est aider nos auditeurs à se préparer aux conséquences de la crise du coronavirus. Donc, nous avons eu un premier entretien au cours duquel nous avons parlé de la période précédant la crise du coronavirus jusqu'à la période du confinement. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la période qui démarre à partir du confinement et nous ferons un exercice de prospective sur les mois et les années qui viennent. Nous restons dans une logique de solution, l'objectif étant d'aider les citoyens francophones à être non pas les spectateurs, mais les acteurs proactifs de la suite des événements. En sortie immédiate de confinement, messieurs, on va proposer à Pascal de démarrer. Très bien. Voilà. Comment voyez-vous la situation économique mondiale cet été? Alors, si on parle de sortie du confinement, je pense qu'il est très optimiste de parler de cet été. Je parlais à un professeur de Harvard pas plus tard qu'hier soir et qui me disait qu'il voyait une deuxième vague de pandémie d'après les statistiques et ce qu'ils sont en train de calculer pour la période de septembre-octobre. Alors, si on fait une sortie de confinement pendant la même période de juillet-août afin de pouvoir prendre ses vacances, il n'y a à peu près aucun doute, nous aurons une nouvelle flambée de la pandémie. Maintenant, je crois que ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qui se passe, par exemple, sur le pétrole. C'est une situation qui est tellement inédite et vous savez, moi, je regarde toujours le pétrole parce que c'est un très bon anticipateur des conditions économiques qu'on va vivre dans 2 mois, dans 3 mois, voire dans 4 ou 5 mois. Et quand on voit que le pétrole se trade sur les futurs, pour le mois de mai, donc en négatif, donc ça veut dire que des gens essayent de se débarrasser du pétrole qu'ils n'arrivent pas à stocker. Je vois un certain nombre de messages qui passent avec des gens que je connais personnellement, qui sont les propriétaires de gros tankers et qui sont jusqu'ici avec du pétrole. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la sortie de crise ne va pas se faire dans le bonheur et la béatitude. Ça va être quelque chose qui va être intense. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Vous savez, on est toujours surpris. Et j'arrive pas à me faire une idée parce que ça va dépendre des populations. Ça va dépendre. Les Américains aujourd'hui ont faim. Il y a des gens qui font. Il y a des centaines de milliers de personnes qui font plus de 100 miles par jour pour aller chercher de la nourriture. Et le point que je veux faire, c'est que la Révolution française, qui a été le moteur des démocraties dans toute l'Europe occidentale, s'est faite après plusieurs années de disette. Donc, tant qu'on peut nourrir ses enfants et sa femme et sa famille, eh bien, il n'y a pas de problème, on tient le coup. Mais quand on est père de 8 enfants et que 5 sont déjà décédés de famine, on n'a plus grand-chose à perdre. Et c'est comme ça que démarrent les révolutions. Donc, alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Non, c'est un tableau très noir que je vous dresse là. Mais je pense quand même qu'il y a une telle peur des individus et des humains en général qui ont été le long de ce long fleuve tranquille qui a été le dénominateur commun de ces dernières années. Il y a une telle peur de perdre son emploi, de se remettre en question, d'aller se remettre à disposition du marché du travail, de donner les compétences que l'on a à d'autres sociétés, de voir la société dans laquelle on a toujours travaillé depuis 20 ou 30 ans se faire démanteler et asset stripper, c'est-à-dire vendre par morceaux à d'autres sociétés. Et je pense que tant qu'on ne changera pas d'état d'esprit, on ne regagnera pas les responsabilités qui nous incombent et donc les libertés. Et il y aura peu de changements au niveau de nos libertés. Je pense qu'on doit toucher le mur à un moment donné pour véritablement voir des changements majeurs. Maintenant, est-ce que ça va se passer d'ici cet été? La réponse est non, vraisemblablement, à part si on a ce revirement, j'allais dire, dans la psychologie des gens qui utilisent nos monnaies et qui
comprennent à un moment donné que c'est de la fausse monnaie et qu'il faut réduire la taille de l'enveloppe monétaire, c'est-à-dire réduire la masse monétaire globale vraisemblablement de 50 à 70 %. Et on retombera sur les fondamentaux qui soutiennent la valeur des monnaies, mais aujourd'hui, on a plus de 50 % de la masse monétaire que je peux qualifier de fausse monnaie. Donc, si la psychologie des utilisateurs des monnaies fait en sorte qu'on se rend compte qu'il y a véritablement une fraude massive à ce niveau-là et que l'élément psychologique fait en sorte qu'on met en question la valeur de ces monnaies et qu'on les ramène à leur valeur d'aujourd'hui, oui, ça va être, non, mais ça va être enfin, historique, ça va être quelque chose de complètement fou. Il y a un proverbe d'ailleurs chinois qui dit « puissiez-vous vivre des temps intéressants ». Eh bien, je vous garantis que dans les mois qui viennent, on va être au cœur du proverbe en question. Alors, j'ai bien noté différents éléments dans votre intervention. J'ai noté à la fois cette dimension que les Américains commencent à avoir faim et que c'est un souci significatif. J'ai également relevé le fait que vous aviez quand même différents éléments qui laissaient à penser qu'une nouvelle vague pandémique de l'ordre de celle qui avait été rencontrée lors de la grippe espagnole pourrait survenir. Et enfin, ce risque autour de la monnaie et du doute qu'il pourrait y avoir autour des monnaies. Piero San Giorgio, de votre côté, votre vision sur la situation économique mondiale de cet été, quel est votre point de vue ? Alors, c'est sûr que des temps intéressants, on va en manger beaucoup en revanche ces prochains temps. Et d'ailleurs, je pense que ça va être plusieurs années. Oui. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce qu'effectivement, on va devoir se responsabiliser. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne nouvelle, mais plus jamais notre mode de vie ne sera comme celui qu'on a connu jusqu'à il y a encore quelques mois. Je pense qu'on va changer radicalement. On va plutôt radicalement dans le sens premier du terme radical de notre mode de vie. Qui aujourd'hui va prendre l'avion ? Je posais la question à mon épouse tout à l'heure, qui a dû rentrer en ville pour le travail. Je l'appelais tout à l'heure et je lui dis, mais cet été, parce qu'elle voulait avoir une amie aux États-Unis d'enfance, etc. Je lui dis, tu ne vas pas y aller évidemment cet été ? Non, bien sûr. Et après, je lui dis, mais c'est quand la prochaine fois qu'on va prendre l'avion ? Ce n'est pas notre trip, mais une croisière. Qui va encore prendre une croisière ? Je connais très bien le patron des croisières Costa. Je pense qu'il doit vivre une très mauvaise période dans sa vie, là. Parce que qui va encore prendre le bateau ? Qui va encore prendre les croisières ? Je ne parle pas d'un ferry, éventuellement. Bon, il faut aller d'un endroit A, absolument d'un endroit A. Mais il y a énormément d'industries qui vont radicalement changer. La restauration, par exemple. Une des premières choses que je ferai dès que je suis déconfiné, ce ne sera pas d'aller chez le coiffeur évidemment, mais ce sera plutôt d'aller manger dans un restaurant dont je ne maîtrise pas la cuisine, par exemple éthiopien ou peut-être libanais. Mais qui va au restaurant en général, c'est plutôt des personnes âgées. Alors, c'est pas trop le cas en Suisse, mais dans le monde, ce sont plutôt des personnes âgées qui vont dans les restaurants chers, qui dépensent de l'argent dans les restaurants. Eux ne vont pas sortir aussi vite que les jeunes. Les jeunes sont dehors. On le voit dans les pays comme la Suisse ou l'Allemagne, où le confinement est donné à la responsabilité individuelle. Forcément, les jeunes adolescents, j'en voyais l'autre jour en passant dans la petite ville en bas, la Martigny, ils sont en place publique. Ils sont pas 50, mais ils sont 5 ou 6. Et ils se font des bisous. Et voilà, donc ça, c'est les adolescents. C'est les adolescents, c'est comme ça. Mais il va y avoir des changements difficiles à prévoir en réalité. Alors, ça va être un peu une réponse de Normand, mais en fait, on ne peut pas savoir quels vont être les changements. Et parce que ils vont toucher plein de domaines, ce n'est pas seulement l'économie. Parce qu'il faut, il faut bien comprendre que l'économie, la culture, le divertissement, le travail, la manière de travailler s'entrelacent. Aujourd'hui, on se rend compte, quelqu'un me le disait récemment, on voit très très vite dans les entreprises les gens qui ne sont pas utiles et qui sont là à réclamer des rendez-vous, qui sont là à réclamer des meetings, des réunions, pardon. Mais en fait, tout le monde s'en fiche parce qu'ils disent « mais j'ai pas besoin de tes réunions ».
On n'a plus besoin des réunions pour se sentir exister, pour se sentir important. C'est souvent subconscient hein, ou préconscient. Ce n'est pas forcément malveillant hein, de leur part, mais souvent, les gens essaient de s'imposer par des processus inutiles. Et je ne parle pas que des politiciens. Oui. Hein, vraiment, dans les entreprises, et malheureusement, c'est à foison que l'on trouve ce genre d'attitude. Donc, tout ça est en train de se voir, est en train de se changer. Les incompétences se voient, les dysfonctionnements se voient. Donc, moi, j'ai tendance à penser que ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes choses. Les crises sont nécessaires et sont bonnes. Et d'ailleurs, s'il y avait moins d'interventionnisme de la part des États en général sous forme de quantitative easing, sous forme de too big to fail, donc de subventions à la mauvaise gestion, de subventions au mauvais comportement, sous prétexte qu'il faut sauver les emplois, etc., etc., alors que ceci serait sauvé par la créativité, et je veux dire, on n'a pas sauvé les calèches et les bateaux à vapeur. On a laissé vivre l'industrie automobile. Demain, ce sera une autre industrie qui reprendra le dessus. Mais aujourd'hui, qui va acheter sa nouvelle voiture ? Mais oui. Etc., etc. Donc, il va y avoir des industries entières qui vont avoir intérêt à, probablement, se relocaliser. Pharmacie, production de médicaments, de pièces détachées, de production locale, etc. Y compris la nourriture, tout ce qui est vital, va devoir se relocaliser dans des circuits courts parce qu'on ne peut plus dépendre d'approvisionnement, des absurdités qu'on a vues dans le monde agricole où des semences de tomates sont envoyées en Chine pour qu'elles soient grandies, c'est pareil pour les animaux, puis ensuite elles sont renvoyées en Espagne, ensuite elles sont envoyées aux Pays-Bas pour maturation. Ben, c'est absurde, cette méthode économique. Insensé. Donc, il y a cette relocalisation. Il y a probablement aussi, puisqu'on voyagera moins, une valorisation des rapports humains et des rapports de travail. Encore une fois, là aussi, circuit court. La famille, les amis, la ville, le quartier, peut-être le village, on va le revaloriser plutôt que partir en vacances à Ibiza. Et ça demandera aussi des réflexions sur l'urbanisme. L'urbanisme qui est fait pour un monde hyper connecté, on prend la voiture. On voyage sans arrêt, peut-être qu'on se rendra compte que le pavillon de banlieue est une absurdité économique, comme on le voit aux États-Unis, ce qui explique que les gens doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour travailler ou pour trouver de quoi manger, ou même dans les grandes villes, trouver un légume, trouver des fruits et des légumes à New York, c'est pas facile. Sans approvisionnement, c'est encore plus difficile. Et puis, peut-être qu'on va avoir plein de nouveautés qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Et qui nous surprendront dans 3 mois, dans 3 ans, dans 5 ans, et qui nous sembleront à ce moment-là comme étant des évidences, en disant mais évidemment qu'on a changé. Mais aujourd'hui, c'est très difficile, d'autant qu'il ne faut pas exclure les mauvaises nouvelles qui sont les tensions, dont on avait parlé la dernière fois, les guerres. Moi, je suis un petit peu pessimiste par rapport à. Je sais que Pascal Borel, vous avez fait une vidéo que j'ai écoutée pas plus tard que tout à l'heure en faisant du jardinage, en faisant mes semis et mes plantons, ouais. Sur les pays en voie de développement ou du tiers-monde, ça dépend comment on les appelle, qui eux vont probablement bien réussir, peut-être à long terme ou à moyen terme, mais à court terme, j'ai beaucoup de craintes, car ce sont souvent des producteurs de produits de base, enfin des produits premiers, ouais. Notamment énergétiques. Je pense au Nigeria, à l'Angola, au Gabon. Il y a de la peine avec l'industrie en ce moment du pétrole, de la demande qui est plus faible. Et donc, ils vont avoir moins de possibilités de subventionner ce qu'ils font, la nourriture pour leur population. Et donc, on risque d'avoir des émeutes de la faim, comme celle d'Égypte ou de Tunisie qui avait déclenché ce qu'on a appelé ensuite le printemps arabe. Et on risque d'avoir ce genre de problématique, d'autant plus que même pour les produits agricoles, leurs débouchés sont plus difficiles, sont plus pénibles. Alors, je ne veux pas peindre le diable sur la muraille, et je ne le souhaite pas du tout, parce que ça nous amènerait des vagues migratoires encore plus grandes à un moment où c'est absolument impossible. Déjà, on ne sait pas gérer la population qui existe déjà dans la plupart des pays développés. Si en plus, on ajoute 1 ou 2% à cette population, ça va partir en guerre civile en Europe. C'est quelque chose que j'en parle dans mes livres depuis une dizaine d'années. Les gens confondent parfois, ne parler d'un problème ne veut pas dire qu'on le souhaite. Ça, c'est un petit détail. Mais donc, en fait, pour conclure, je pense que c'est difficile d'imaginer ce qui va arriver avec précision. Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas Madame Irma avec des boules de cristal. Nous pouvons, en revanche, dessiner
nous l'avons fait un petit peu la dernière fois, nous le ferons encore ce soir, des trajectoires, des possibles qui peuvent ensuite évidemment s'écarter avec les arbres de décision qui sont infinis à l'échelle d'une civilisation comme la nôtre, qui est globale, avec des décideurs par milliers et qui s'influencent les uns les autres. Et c'est pour ça que souvent, plus que le complot, j'aime beaucoup cette multitude de décisions qui s'entrelacent, qui s'inter-influencent, parfois qui s'opposent, et qui nous amènent avec des tendances, parce que nous avons des tendances psychologiques, nous avons des tendances de dynamique, d'inertie. Et nous verrons bien ce qui va arriver, mais en tout cas, c'est une période fascinante. Je sais que c'est difficile d'utiliser ce mot alors qu'il y a encore des gens malades et des pays qui souffrent énormément, mais c'est malgré tout intellectuellement une période fascinante car elle façonne l'avenir dans lequel on va vivre ces prochaines décennies de manière déterminante. Alors, à travers tout ça, vous mettez en évidence un changement profond, des modes de vie qui est quand même prévisible. Et, vous avez cité l'avion, la croisière, des évolutions importantes au niveau social et culturel. Et c'est vrai que vous avez insisté sur cette dimension des personnes inutiles en entreprise. Oui, ça se voit du fait que finalement, on voit réapparaître cette notion de circuit court, cette notion de relocalisation de la nourriture. On voit également un autre point qu'on remarque tous, hein, c'est ce changement des rapports humains, hein, y compris en période de confinement. Et vous citez également cette dimension autour de l'urbanisme, avec le fait que la façon dont on a pu penser l'urbanisme pendant pas mal d'années va peut-être devoir changer, devoir se repenser. Et puis, vous avez également cité cette problématique de potentielles tensions, d'émeutes de la faim. On voit bien qu'également, ce point est un point difficile et sensible. Piero San Giorgio, est-ce que... Alors, vous êtes un spécialiste des questions de survie. Vous sortez du confinement, enfin, le citoyen européen, francophone, sort du confinement. Quelle serait la première action à faire en sortie de confinement ? En dehors de se couper les cheveux, hein, vous l'avez cité déjà, pour vous, ça ne sera pas la priorité, pour d'autres, ça le sera peut-être, mais en dehors de cela, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors, c'est vrai que lorsqu'on a mis en place une stratégie d'autonomie de vie autonome ou qui tend vers l'autonomie, ce qui est mon cas, ça ne change pas grand-chose, confiné, pas confiné, à part voir les amis et ça change, et avoir moins les enfants dans les pattes 24h sur 24, ça ne change pas grand-chose. En revanche, ce que l'on peut voir déjà aujourd'hui, et je prends justement comme exemple la reprise prévue, peut-être, de l'école, par exemple en Suisse, le 11 mai, l'école obligatoire, on voit qu'il y a une partie des parents qui se prononcent en disant « Mais vous ne pensez pas que c'est trop tôt ?» Parce que les enfants vont être un moyen de, pour peu qu'il y en ait qui viennent de familles qui soient contaminées pour une raison ou une autre, et qui portent ensuite le virus, ça va être de nouveau des vecteurs de contamination. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas justement que les personnes âgées et les enfants soient les derniers à sortir, et qu'au contraire, ce soient les gens qui doivent travailler, eh bien, qui continuent en partie le télétravail, en partie le fait d'y aller en se protégeant et en se protégeant des autres, par des masques, par des gants peut-être, etc. On aurait pu mentionner les transports publics. Ça va changer aussi beaucoup de choses dans le rapport aux transports publics. On devra apprendre à faire comme au Japon, à être extrêmement discipliné, porter des masques probablement pendant un long moment, et ça deviendra peut-être une habitude. Pour peu qu'on les trouve, ces fameux satanés masques, parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Là aussi, on pourrait laisser les entrepreneurs en fabriquer beaucoup plus facilement, partout, etc. Bon, mais ce n'est pas simple. C'est vrai que ce n'est pas simple. Il faut trouver l'approvisionnement des matières. Voilà, des matières. Maintenant, d'autres, je sais que c'est vrai, hein, c'est difficile, d'autres vont dire « Ah, il faut absolument que les enfants aillent à l'école. » Parce qu'on ne peut pas travailler en ayant les enfants à la maison. Et c'est d'autant plus difficile que nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup de parents célibataires qui ne peuvent pas et être au travail. Parce que c'est très facile de parler de télétravail lorsque vous avez un travail du tertiaire, etc. Mais si vous êtes maçon ou plombier, c'est compliqué, hein, le télétravail.
Donc, et ce sont des métiers qu'on découvre d'ailleurs comme étant beaucoup plus utiles que vendeur d'assurance, banquier ou politicien. Bon, ça, on le savait. Mais bref, donc nous avons une réflexion importante à faire sur qu'est-ce qu'on va faire en sortant. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que la plupart des gens vont réfléchir à l'aune de l'expérience acquise lors de cette crise à se préparer à la prochaine. La prochaine qui peut être au coin de la rue, qui est la prochaine peut-être. Mais ça peut être aussi la crise de la dette, l'explosion de l'économie dans 3, 6 mois, une année ou complètement autre chose. Ça peut être une pénurie de pétrole, paradoxalement. Paradoxalement, ça peut être dans 6 mois, une année, le fait qu'il n'y a plus assez de pétrole pour tout le monde parce que la production a crashé et à ce moment-là, l'économie qui redémarre n'arrive plus à trouver le pétrole. Et là, on peut avoir soit des prix élevés ou soit simplement que les pays producteurs gardent le pétrole pour eux, pour leur consommation à eux et ne l'exportent plus parce qu'il n'y en a plus assez. Et là, vous avez des pénuries importantes dans les pays consommateurs et qui n'en produisent pas. C'est une hypothèse, hein, c'est un scénario, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais on a vu ce que on n'aimerait pas ajouter la crise de 1973 en français, en bon français, à la crise qu'on a déjà maintenant. Donc, il faut qu'on soit très attentif. Et donc, le citoyen, la citoyenne, l'habitant responsable, il devrait réfléchir en se disant comment est-ce que je mets en place une stratégie d'autonomie maximale par rapport à mes moyens, à l'endroit où je vis, bien sûr, en fonction de nos capacités, parce qu'on ne peut pas tous vivre dans une ferme avec 50 hectares et de la forêt, des ruisseaux. Bien sûr, c'est pas simple. Il faut s'adapter à notre mode de vie et à nos contraintes. C'est ce que j'explique dans mes bouquins, en fait. Et donc, d'aller vers ce mode de vie, pas forcément à full time, pas forcément à plein temps, mais de tendre vers ça un petit peu, parce qu'on a bien vu que dans les crises, la nourriture, elle ne pousse pas sur l'asphalte des villes, les poissons ne viennent pas dans les fontaines publiques, c'est très compliqué de se nourrir, d'autant plus que, et ça aussi c'est peut-être un élément qu'on a du mal à factoriser, mais lors de la grippe espagnole, nous étions 2 milliards, nous sommes 8 milliards maintenant, pas loin de 8. Les dynamiques de 8 milliards de personnes qui sont en crise ne sont pas les mêmes que dans des villes beaucoup plus petites d'il y a 50 ans ou il y a un siècle. Ce n'est pas du tout la même dynamique parce que vous savez, quand la masse s'énerve, Pascal Borel parlait de révolution française et c'est tout à fait possible, bien que les révolutions en général n'amènent jamais des bons résultats, au contraire, ils empirent souvent les situations, mais enfin, ils défoulent. Mais le défoulement de 8 milliards de personnes, ça doit être quelque chose. Donc, soyons très attentifs à ce qui pourrait arriver. Alors, juste peut-être pour compléter un tout petit peu les propos, Piero San Giorgio, sur la notion, vous avez évoqué cette question d'autonomie maximale. Vous avez parlé de la crise de la dette. Concrètement, qu'est-ce que donc notre public… Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de citoyens européens, mais on a des auditeurs aussi bien au Canada que dans le Maghreb francophone, donc on va essayer d'élargir un peu le champ. Mais voilà, qu'est-ce que vous suggéreriez à ces acteurs? Qu'est-ce serait en gros peut-être l'action numéro un à faire? Est-ce que ça consiste à apprendre peut-être à faire un petit peu de jardinage? Ou voilà, qu'est-ce que vous conseilleriez comme première action, premier geste peut-être dans le bon sens? Alors très rapidement, parce que c'est trop long comme sujet pour en parler des heures, c'est ma passion. Hein. Je dirais que quand vous réfléchissez à votre mode de vie, dans ce que vous considérez être normal, réfléchissez à ce qui pourrait arriver qui rend votre normal, qui fait disparaître ce que vous considérez normal. Ça peut être des intempéries, des catastrophes naturelles, et d'ailleurs pour ça, les États, les gouvernements, souvent les ministères de l'Intérieur publient sur leur site, vous pouvez aller voir en France, vous pouvez aller le voir au Québec, au Canada, au Maghreb également, en Suisse bien sûr, en Belgique, dans tous les pays, les ministères de l'Intérieur publient un petit document qui est sur leur site internet, je vous encourage à aller le voir, qui dit « Voilà ce que vous pouvez faire pour tenir 24 heures ou 48 heures au cas où il y aurait un ouragan, une tempête, des inondations, un tremblement de terre, évidemment ça dépend où vous êtes. » Et souvent c'est des vêtements, une couverture par personne, hein,
une lampe de poche, des batteries, un petit peu de nourriture et surtout de l'eau. Et si vous poussez la préparation un petit peu plus loin, c'est de quoi purifier éventuellement de l'eau, un peu d'argent. Moi, je préconise souvent d'avoir un peu de cash pour tenir au cas où. Mais ça, c'est très simple. On pourrait ajouter à cela, que feriez-vous si votre maison brûlait ? Parce qu'autant on a une épidémie de virus et une crise financière chaque 10 ans ou un virus chaque 50 ans, une maison brûle chaque 2 minutes en France, par exemple. Et donc, un domicile de quelqu'un brûle. Et ça veut dire que quelqu'un, une famille, se retrouve à la rue, voilà, avec le fait de devoir trouver un hôtel, les assurances ne vous payent pas immédiatement, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une perte de la normalité, en réalité. Ce n'est plus votre environnement normal. Ou simplement, vous perdez votre travail, ce qui est le cas, malheureusement, de dizaines de millions de gens depuis quelques mois qui se sont ajoutés aux légions de chômeurs qui existaient déjà. Bon, est-ce que vous avez de quoi rebondir ? Pas seulement d'un point de vue intellectuel, ça c'est très important, d'un point de vue de morale et du point de vue de morale, pardon, en anglais, dans le sens de motivation, etc., de trouver vos ressources internes pour rebondir, mais aussi, est-ce que vous avez peut-être un ou deux mois en cash pour tenir le coup, pour faire vivre vous et votre famille, pour payer votre loyer, la nourriture ? Est-ce que vous prévoyez ce genre de rupture de la normalité ? Donc, on n'est pas du tout en train de réfléchir à Mad Max, à la guerre, à la guerre nucléaire à travers le monde. Non, non, on est simplement en train de réfléchir à des choses banales. Et une fois qu'on se prépare pour ces choses qui sont finalement banales et courantes, et qui arrivent souvent, tout le monde, heureusement, on va étendre cette stratégie à plus de problématiques un peu plus lourdes. Que se passerait-il si on a, voilà, on est en plein dedans, une épidémie, où on ferme les supermarchés, où on ferme les magasins. Imaginez une épidémie plus violente. Heureusement, on n'a pas eu une épidémie qui nous force à fermer également les supermarchés. Parce que si on laissait, imaginez le scénario où il n'y avait pas de papier toilette du tout, où il n'y avait surtout pas de nourriture dans les rayons. Là, il se passe quoi ? Là, ça devient violent, là, ça devient méchant. On a beaucoup de chance que parce que nous avons la sécurité de l'approvisionnement encore en nourriture, que les gens n'ont pas stressé, se sont entraidés. Est-ce que cette entraide aurait été la même si le niveau était un niveau supérieur, c'est-à-dire fermeture de toute l'économie entière et totale? Heureusement, on n'en est pas là et probablement aucun État aurait poussé à cela, mais c'est de projection mentale et d'imagination, et donc vous développez votre stratégie. Alors personnellement, je donne 7 éléments fondamentaux dans mes livres que je ne vais pas développer ici parce que ce serait trop long, mais en gros, c'est réfléchissez à votre autonomie pour d'abord l'eau, ensuite la nourriture, ensuite l'hygiène et la santé, puis l'énergie, puis les connaissances et les compétences, ensuite, pour finir, la défense, donc vous et de votre famille et de votre village, et c'est par cercle concentrique évidemment. Et puis finalement, le lien social. Alors, ce n'est pas hiérarchique, c'est 7 éléments qu'on fait ensemble, qu'on fait en même temps. Et le lien social est en plus le liant de tout qui vous permet de ne pas être spécialisé dans tout. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un fermier et un maçon et un ébéniste. Et c'est impossible. Il faudra voir comment vous répartissez un petit peu tout ça avec vous, vos amis, vos voisins. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être 100% autonome parce que c'est presque impossible. Mais c'est de tendre vers cette autonomie parce qu'à la fin, il y a des échanges, il y a des choses. Mais d'avoir aussi cette latence, cette capacité de résister en cas de coup dur, ce qui fait que vous ne sentez pas trop le manque de normalité. Et donc, vous allez moins paniquer. Donc, vous allez garder la tête sur les épaules. Et en évitant la panique, en général, on évite de faire des conneries parce que c'est souvent ça qui fait du mal. D'accord. Donc, l'élément, vous avez insisté notamment sur cette idée de se dire, bon, en sortie de confinement, je dois me poser les questions de fond, qu'est-ce qui se passe, je dirais sur un court terme, s'inspirer un petit peu de ce que préconisent les gouvernements pour tenir 24 heures, ça c'est peut-être une discipline intellectuelle à avoir, et puis voilà, en cas d'ouragan, de tempête, etc., la maison brûle, qu'est-ce qu'on fait ? Et ensuite, vous avez définissent les points essentiels finalement pour faire face à des situations qui peuvent devenir compliquées, et vous avez cité notamment ce problème qu'on n'a pas rencontré heureusement, hein, que
que les supermarchés auraient pu fermer. En Chine en particulier, on a bien vu que les gens n'avaient plus vraiment accès à Wuhan, au commerce. Vous avez cité donc le fait qu'il y a sept points essentiels. Alors, je ne sais pas si je veux bien citer les sept, mais en gros, l'eau, la nourriture, l'hygiène, les énergies, la connaissance, la compétence, la défense et le lien social qui permet notamment la connexion avec des gens qui ont des compétences différentes de la vôtre. C'est vrai que tout le monde n'est pas dentiste, tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas ébéniste. Pascal Borel, par rapport à cette notion, donc, je sors du confinement, voilà, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez aux citoyens de faire ? Quelles seraient quelle serait la priorité à accomplir une fois sorti de son logement et une fois que l'activité reprend simplement. Bon, mais d'abord, merci à Pierrot. Je crois que vous avez bien résumé. Vous êtes beaucoup plus un spécialiste de la survie, j'allais dire, dans un milieu économique, urbain et autre. Vous l'avez largement étudié. Donc, je pense que les six ou sept points que vous mentionnez sont au centre de ce qu'il faut être. C'est un degré de préparation, finalement. Mais moi, je ne parle pas de sortie du confinement, parce que je ne pense pas qu'on sera un jour blanc et le lendemain noir. Non, il va y avoir une très lente transition qui va s'opérer et on va essayer de rouvrir les écoles, par exemple. C'est une très bonne chose. Mais derrière la réouverture des écoles, c'est le fait de libérer les parents pour qu'ils puissent aller travailler et recommencer à payer leurs impôts, à payer leurs retraites, payer leurs hypothèques. Le but, ce n'est pas de faire en sorte que les enfants aillent à l'école et y apprennent quelque chose parce qu'on est soucieux du fait qu'ils n'apprennent pas en ce moment. Non, c'est un souci purement des politiques qui, je le rappelle, vivent aux dépens de notre travail. Vous, en tant que centre de profit, eux, en tant que centre de coût. Alors, ils sont nécessaires, c'est une évidence, mais en attendant, ce sont quand même des centres de coûts. Donc, leur priorité de redémarrer l'économie, c'est pour remettre en route la machine. Autre exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des citoyens américains qui ne payent pas leurs hypothèques. Ils sont en défaut de paiement sur leurs hypothèques. Eh bien, rendez-vous compte que c'est le Trésor américain qui paye les banques pour les manques à gagner. Mais plutôt que de le payer à 60 ou 70% de la valeur effective des hypothèques, puisque les gens sont en défaut de paiement, eh bien, par définition, s'ils sont en défaut de paiement, en théorie, le Trésor américain n'aurait qu'à payer 60-70% du montant, et alors même que le Trésor américain en ce moment paye 105 à 110%. Donc, leur donne un spread, une marge qui est de l'ordre de 50% par rapport à ce qu'ils devraient perdre aujourd'hui. Donc, je pense que le monde marche sur la tête et qu'il va falloir simplifier toute une série de systèmes qui, en termes de leur coût d'application, sont beaucoup plus chers que ce que nous sommes capables de produire. Et je pense que cette sortie de confinement, ça va être, et ce confinement, ça va être une sorte de wake-up call, comme on l'appelle, c'est-à-dire de réveil bien sérieux de ce à quoi on donne de l'importance. Et puis, il va falloir simplifier nos systèmes. Aujourd'hui, je donnais aujourd'hui l'exemple de la santé. Pour un médecin, vous avez 5 administratifs qui perdent leur temps intégralement, non pas à soigner des gens, mais à remplir des papiers, les demandes d'assurance, les ceci, les cela. Donc, ça veut dire qu'on maintient littéralement en esclavage 5 personnes par médecin qui sont forcées de, j'allais dire, subvenir aux besoins structurels du système. Alors qu'on peut simplifier tout ça et économiser, parce qu'il ne faut pas avoir gagné le prix Nobel d'économie pour comprendre que si vous avez 5 administratifs par médecin, vous allez quand même légèrement augmenter le coût de la médecine, pour ne pas le dire, le multiplier par 2 ou 3. Or, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la sortie du confinement, bon, ben, si vous voulez, là, ça va se faire dans, j'allais dire, une certaine, non pas crainte, parce que je pense qu'on ne va pas se craindre les uns les autres, mais il va falloir remettre en route ce qui fait de nous des êtres humains. Peut-être qu'un jour, on pourra se resserrer la main sans crainte, on pourra se prendre dans les bras, s'embrasser, se faire la bise, sans se dire « eh mon Dieu, celui-là, je ne sais pas », etc. Et aussi, tout simplement, par rapport à soi-même. Parce que moi, si je mets un masque quand je sors,
je me rends bien compte que ça ne va pas me protéger à titre personnel. Oui, mais je me rends compte que ça va protéger les gens qui sont autour de moi, parce que si par malheur je suis touché, je vais postillonner, je vais mettre du virus partout, sur toutes les surfaces que je touche, etc. Donc, quelque part, c'est un réapprentissage du civisme, et je le fais pour les autres. Je le fais pas pour moi. Alors, est-ce que je vais devoir faire ça pour les autres pendant très longtemps, oui ou non? J'ai aucune idée. Mais tout ce qui fait de nous des êtres humains une espèce collaborative aujourd'hui est remis en question par cette distanciation. Il va falloir réapprendre à fonctionner dans un système nouveau. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on ne pourra pas sortir de la simplification des systèmes, parce que nous n'aurons plus les moyens de les laisser en place comme ils ont été en place ces dernières années. Ce sera tout simplement hors de question. Un premier ministre français qui a 650 personnes dans son cabinet qui sont payées en foule, il y a des gens qui me répondent « oui, mais le niveau de productivité est tel aujourd'hui que… » etc. Non, les États devront apprendre à gérer leur budget comme une entreprise gère son budget. Ils ne pourront plus adapter les recettes à leurs dépenses. Non, ils devront faire comme tout le monde, ils adapteront leurs dépenses à ce qu'ils sont capables de ponctionner décemment de leur population. Donc, et on ne coupera pas à tout ça. On devra passer par ces remises en question. Et donc, il va falloir s'habituer au changement, et sérieux, et rapidement. Parce que, oui, nous n'aurons pas le choix. The best choice is to have no choice. Ça va nous pousser à reprendre nos responsabilités. On s'est déchargé de nos responsabilités depuis deux générations et demie de ventre mou qui ont délégué l'éducation de leurs enfants, leur santé, l'éducation de leurs enfants aux États, leur santé à des fonctionnaires, qu'ils soient politiques, assureurs, et de temps en temps, quand les médecins ont encore le droit de dire quelque chose, eh ben, on les laisse s'exprimer. Mais c'est une rareté, c'est les assurances qui décident de ce à quoi vous avez droit comme traitement, ou à peu près. J'exagère un peu, mais je n'exagère pas beaucoup. Donc, il va falloir aller reconquérir des responsabilités, et c'est ça qui redonnera vraisemblablement notre cohésion sociale, notre capacité d'être libre au sein de nos sociétés. Pardon, simplement, c'est vrai que nous pouvons aussi voir, comme on pourrait le voir en concurrence, des États qui sont effectivement pléthoriques, lourds, qui en plus ponctionnent la population à 50% en moyenne, comme ceux qu'on connaît très très bien, comme on disait la dernière fois, il ne reste plus que la Corée du Nord et un pays européen. Mais on peut les comparer à d'autres pays comme l'Estonie ou peut-être la Hongrie, les anciens pays soviétiques, de bloc soviétique, qui, à la chute du mur, que personne à part Emmanuel Todd avait prévu, donc ça aussi c'est une sorte de signe noir, qui semble évident avec du recul, mais sur le moment on ne pouvait pas le savoir, pour les plus anciens d'entre nous qui s'en souviennent, eh bien, il y a des États qui ont choisi de faire une flat tax, en disant on ne va pas commencer à ponctionner tout le monde, plus l'économie grandit, tant mieux, plus on gagnera de l'argent en tant que flat, on pourra investir cet argent dans des meilleures infrastructures, etc. Mais on ne va pas commencer à rajouter des taxes, et encore des taxes, et encore des taxes, et des impôts, et des impôts. Je rappelle, pour les plus anciens, les vraiment très anciens d'entre nous, que l'impôt sur le revenu a été, était un impôt temporaire pour financer la Première Guerre mondiale. Alors, comme on sait, les impôts temporaires ne sont pas tellement temporaires. Et donc, il y a des États qui ont fait le choix de s'auto-limiter et de devoir donc, et Pascal Borel, vous avez tout à fait raison, absolument d'être dans la productivité. Parce que si un ministère de 600 personnes devient plus productif et ce qu'il produit est une masse de réglementation et de bureaucratie, comme disait Ronald Reagan à l'époque, il disait « Thank God we don't get all the government we pay for ». Heureusement, Dieu merci, nous n'avons pas tout le gouvernement pour lequel nous payons. Et donc, il faut bien voir les choses, parce qu'une machine qui est malveillante et malfaisante, et à la limite, il ne faut pas qu'elle soit plus productive. Sur le fond, c'est absolument vrai, nous devons simplifier, bien sûr. Déparasiter, permettre la concurrence. La concurrence fait baisser les prix, rend des meilleurs services. Imaginez des assurances en concurrence, sans l'intermission de l'État avec ses réglementations, les assurances non seulement seront en concurrence sur les prix, mais aussi sur la qualité des prestations, sur
la capacité à rentabiliser. Et puis, bien sûr, il y a les gens que personne ne veut. Et on peut tout à fait imaginer qu'une population solidaire avec les siens va se dire... Parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec telle et telle personne ?» Et je dis « Mais toi, tu ferais quoi ?»« Ah, ben moi, je l'aiderais. » Bon, ben voilà, tu vois. Le volontarisme pourrait résoudre cela. Et on pourrait imaginer à une fraction du coût de ce que l'on paye aujourd'hui. Parce que quand on voit tout le monde s'en plaint, les prix des assurances maladie, par exemple, sont gigantesques par rapport aux revenus de la plupart des gens. Et tout cela pourrait vraiment être simplifié avec moins de réglementation, moins de bureaucratie. Et puis, on pourrait quand même avoir un minimum de filet social et surtout d'encouragement pour ce qu'on appelait au 19e siècle les « deserving poor », c'est-à-dire des gens qui visiblement ont envie de s'en sortir, qui peuvent et qu'on va aider parce qu'on a personne humainement, les sociétés n'ont pas envie de voir des gens mourir dans la rue et des gens qui ne se soignent pas. C'est une évidence. C'est une évidence. Quand la situation devient très dure, les êtres humains se tiennent les coudes. Moi, j'ai vécu ça en Afrique en particulier, ou dans des pays en guerre, où on voyait très bien qu'on entendait les canons. Oui, mais le marché avait lieu, les enfants allaient à l'école et ils s'organisaient pour pouvoir faire les choses de cette façon. C'était très beau à voir d'ailleurs. Cicéron, déjà à l'aube de l'Empire romain, donc c'était encore la République, Cicéron déjà, plus il y a de lois, plus il y a de corruption. Mais bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on a vu dans les empires, probablement en Égypte, à Babylone et plus récemment. Paul Kennedy, l'historien Paul Kennedy américain, dans son fameux livre des années 80, The Rise and Fall of Great Nations, je pense qu'il a été traduit en français, nous illustrait comment les empires se gavent de lois pour faire vivre une administration pléthorique qui trouvera toujours des très bonnes raisons pour lesquelles elle a besoin d'exister. Il faut plus de routes, donc il faut des taxes, il faut des péages pour les entretenir, il faut des voies commerciales qui nécessitent des flottes armées pour les protéger, et donc il faut de l'argent, et donc il faut financer, mais puisque ces flottes existent, elles entrent en concurrence avec d'autres, donc il y a des guerres qu'il faut financer, et ainsi de suite. Et c'est un cycle que l'on voit trop souvent. Or, aujourd'hui, nous sommes une civilisation globale, veuille ou non, avec tous ses désavantages, mais aussi ses avantages. Et il va falloir qu'on évite de s'écrouler. Alors, moi, je pense qu'on y aura droit. Mais probablement, on diverge dans cette option-là. Mais malgré tout, il faut qu'on essaye de ne pas s'écrouler, même si je suis absolument persuadé que ça va mal finir. Mais il faut essayer que ça ne finisse pas mal, parce que nous avons des enfants et puis... La vie de beaucoup de gens est précieuse, donc il faut qu'on se débrouille. Mais la clé est là, la clé est ce que vous venez de dire. Mais Pierrot, si je peux me permettre, vous avez tout à fait raison, et encore une fois, vous dites que vous espérez que ça ne s'écroule pas. Moi, je pense que nous y aurons droit, et que c'est notre devoir de faire s'écrouler des pans entiers d'inefficience de marché pour permettre à nos enfants de ne pas avoir besoin de le faire à notre place. C'est une question de prendre nos responsabilités, parce que par rapport, moi j'ai mon fils qui est à côté, qui lit juste en ce moment, je lui ai demandé simplement de faire un peu doucement, qu'est-ce que je vais lui léguer? Est-ce que je vais lui léguer les responsabilités que moi j'aurais pas été capable de prendre quant à faire en sorte que ce soit un système viable? Vous savez, dans le domaine de la physique, il y a des recherches extraordinaires qui se font. Hein, on sait qu'on ne pourra pas dépasser la vitesse de la lumière, par contre on peut déplacer l'espace-temps autour d'un vaisseau entre guillemets, ce sont les fameuses équations d'Alcubierre, et on se rend compte qu'aujourd'hui on peut mettre en pratique ces équations d'Alcubierre à des niveaux énergétiques qui sont bien moindres que ce qu'on avait calculé au départ. Donc ça veut dire une chose, c'est que si on met les gens, les êtres humains, leur capacité à comprendre, à penser sur ce type de problématique, mais l'avenir, il est extraordinaire. Si on continue à les utiliser servilement comme, excusez-moi, les esclaves dans les champs de coton du sud des États-Unis il y a quelques siècles, ben on va pas aller très loin, les gars. C'est pas possible.
Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est libérer les êtres humains des contraintes qui font en sorte qu'ils ne travaillent que pour un tout petit nombre, qu'ils ne travaillent que pour un tout petit nombre de gens qui centralisent la totalité de la valeur de leur travail, qu'on s'arrange pour être la plus faible possible, parce qu'on ne va pas les laisser aller découvrir la raison de la matière noire ou de l'énergie sombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Et quelque part, le coronavirus va nous mettre devant ce que j'appelle un mur, à savoir « best choice is to have no choice ». Et au moment où les politiques commenceront à mourir, parce qu'au moment, vous savez, un parasite qui vit dans son hôte, qui vit aux dépens de son hôte, ben quand l'hôte commence à souffrir, ben, le parasite, il n'est pas très bien non plus. Et ben, dans le cadre du politique, je ne les compare pas à des parasites, mais néanmoins, ils vivent à nos dépens. Si, mais aujourd'hui, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont plus payées, est-ce que nos amis politiques ont pris une coupure dans leur salaire? Est-ce que vous croyez qu'on a demandé aux gens qui touchent les retraites après avoir été conseillers fédéraux, ministres en France ou autre, est-ce qu'on leur a demandé de prendre un petit... un cut, une petite coupe sur leur salaire? Bien oui. Évidemment, non. Juste un point, c'est que là vous avez tous les deux évoqué de façon extrêmement intéressante et pertinente cette question de la complexité de la société. Je me rappelle de la lecture d'un livre de Joseph Steinter qui s'appelle « L'effondrement des sociétés complexes » qui explique très précisément toutes ces mécaniques qui se sont déroulées notamment dans l'Empire romain et qui expliquaient notamment comment l'Empire byzantin avait réussi vers le 7e siècle, si ma mémoire est bonne, à échapper à l'effondrement par une simplification justement de ses fondamentaux et par un retour au principe du paysan-soldat. Donc là, vous avez insisté tous les deux, et vous convergez complètement dans ce sens-là, en disant il y a eu progressivement une extension finalement d'un certain nombre de professions, d'activités parallèles, administratives. Vous citiez Pascal Borel, cet exemple hein, donc du médecin avec X administratifs autour de lui. Donc vraiment des questions de fond et qui fait qu'aujourd'hui, les États doivent... je dirais non pas gagner en productivité, c'est-à-dire en capacité à légiférer davantage, mais plutôt légiférer moins relaisser finalement aux gens sur le terrain la possibilité d'intervenir. Jean-Pascal, je me permets encore juste une chose. À un moment dans le très bon email là, que vous nous avez envoyé avec la préparation de l'entretien, vous nous disiez, on parle de complexité, et je pense que la complexité du cadre légal est une hérésie. Je me permets juste, parce que c'est vraiment un sujet qui est attenant. Et je me souviens, il y a quelques années, je rentrais de Zurich après une série de conférences, et puis voilà pas que je rencontre, ça fait plus de 10 ans, donc il y a prescription, ne crains rien, ne vous inquiétez pas. Je rencontre les deux boss de ce qu'on appelle le Swiss Fund Association. Le Swiss Fund Association, c'est l'organisme qui est censé mettre en place les lois qui régissent le commerce des fonds de placement. Le commerce des fonds de placement ici en Suisse pour protéger les petits, moyens investisseurs, enfin tout utilisateur de fonds de placement. Venait d'être votée une nouvelle loi sur les fonds de placement. Et je rappelle que c'est eux qui sont censés l'avoir écrite, l'avoir présentée au Parlement pour être votée. La loi passe, nickel, impeccable. Je leur dis, monsieur Tété, bonjour Hans, bonjour, comment allez-vous? Alors, cette nouvelle loi sur les fonds de placement qui vient de passer, qui vient d'être acceptée il y a 3 semaines, un mois, je ne sais plus, comment est-ce qu'elle va être mise en place? Réponse des personnes qui sont censées avoir écrit la loi. Eh bien, écoutez, monsieur Borel, c'est une bonne question que vous avez là. Nous allons attendre un peu de voir comment est-ce que les grandes banques vont interpréter cette loi et nous écrirons au gré de nos constatations la jurisprudence qui s'appliquera à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont reçu les textes de loi des grandes banques suisses dont l'objectif in fine est de drainer des masses d'actifs sous gestion. Ils ont bien raison, c'est leur travail. Donc ils s'allient et leur conseil d'administration ne font rien d'autre que du lobbying auprès des gouvernements pour mettre en place les lois qui leur conviennent, auxquelles ils peuvent satisfaire du fait de leurs équipes de compliance, de juristes, de comptables et autres, et tuer ce qui en fait représente 80% de leur économie à leur profit. C'est-à-dire qu'on va détruire les petits gestionnaires de fortune qui ont leur petite boutique, qui ont développé une utilisation de fonds de placement, machin, etc.
et on va mettre en place des lois qui drainent la totalité de tout ce qu'ils peuvent capturer autour d'eux. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit une volonté qui soit politique, négative et tout, mais c'est dans la lignée de l'évolution de la vie sur cette planète. Dès qu'un animal, quel qu'il soit, a une niche écologique qu'il peut aller occuper au détriment d'un autre, ben, il le fait instantanément. C'est l'histoire des dinosaures et des mammifères. C'est l'histoire de tout ce qui s'est passé. Quand les niches écologiques des mammifères marsupiaux en Amérique du Sud, quand l'isthme de Panama, il y avait les mammifères placentaires au nord, marsupiaux au sud. Au moment où l'isthme de Panama s'est créé, et que les deux continents nord-américains, sud-américains se sont reliés, eh ben, c'était l'apocalypse pour les mammifères marsupiaux. Ils se sont fait manger. Eh bien, quand on met des structures en place, qu'elles soient économiques, politiques, légales, financières, tout ce que vous voulez, industrielles, et puis qu'on laisse le champ libre à des individus pour aller manger ces niches et en tirer le parti, la qualité de vie dont elles ont besoin, c'est normal qu'elles le fassent. Donc aujourd'hui, même à un niveau, je dirais, vraiment légal et législatif, nous devons faire fondre l'iceberg pour le réduire à la taille d'un glaçon que vous mettez dans votre whisky. Parce que ça ne pourra pas fonctionner autrement. Ça ne pourra pas. Et aujourd'hui, il y a un tel lobbying au niveau des sociétés qui viennent imposer au légal, qui sont des gens supérieurement, certainement intelligents, instruits et autres, mais qui sont tenus, menottés, pieds et poings liés par les intérêts financiers de ce qu'ils perçoivent être les principaux acteurs de l'économie, alors que tous ensemble, ils ne représentent jamais plus que 20 ou 25% à tout casser.